Vous allez mettre les cœurs, roi des cœurs, Guinée, ils vont couper. Donc, chers Guinéens, Guinéens, partagez au live d'eau, nothing et détail d'Iboui Handekat, qu'on a fait de tels qu'on a créé. Maintenant, on va commencer d'abord sur l'histoire de Asie King. Non, et voilà, donc à la dernière minute. Donc, chers Guinéens et Guinéens, chers compatriotes, puis Djibouï Diakaré, Djanfano Hapano Kari, contre-président Loudalen. Et on a regardé les détails, il m'explique qu'il faut nous organiser pour le moment. Il est organisé comme on est préparé comme ça, aujourd'hui là encore. Un faux procès encore pour coller ça au président Sélou Daleng Diallo. Qu'on ronkaille. On ronkaille. Donc, avant de commencer d'abord, il y a un de nos lives qui est en train de me demander. C'est hier ou avant-hier, il y a un live. Il y a un mandat de live. Attendez-moi, pardon. Donc, Kohanki Mahikianki Mwadono Lifeon, je pense. Kohanki Mahikianki. Concernant Bemobe, on est bien de birdi birdi der la béon. Donc, Miolo no don hala, mais il bebui famali kan hala. En famille, il me ben mi djangi commentaire gilingandi en général. Moi, je n'aime pas lire les commentaires, ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, ce que je considère. Mais tout me voilà, fala doyo window, commentaire no fala wo. Les imbéciltologues là, les insultologues là, si be fala et barbe yen na capage, ça là, ça nous dit absolument rien. On anda me hebi dole. Mamadi Doumbouya même, quand ko tigiro o yalti, wo les communicants de Facebook là, les blogueurs là, lui créent beaucoup de problèmes en République de Guinée. Parce que lui, dans sa tête, son fermino media yidin, c'était fini. Le débat est clos. Il va gagner pour se flanquer, pour venir prendre le pays en otage. Mais, mashallah, alhamdulillah, rabbil alamin, mais il n'y a pas. Allah, qui pour les réseaux sociaux, Allah, média, Allah, pour les réseaux sociaux, en plein 21e siècle, là. Réseaux sociaux, Allah, qui pour les réseaux sociaux, aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, il prend son temps. Une équipe encore, ils vont s'asseoir. Pour attaquer nos pages. De plus maintenant, comme ils ont vu qu'il n'y a pas de solution maintenant, il faut passer maintenant par l'argent pour corrompre certains blogueurs et communicants. Chacun est libre de choisir sa vie dans sa main. Chacun est libre de choisir sa vie dans sa propre main. Voilà. Donc, comme ils disent que nous sommes en train de les déranger avec le mytho, comme disait le grand frère là, Akumba, Baouri le Djidje, Baouri Djidje. Allah. Akumba a trouvé un bon nom pour le capitaine de CNR de Baouri. Son excellencier Baouri, capitaine. Le président de la mégafolie, le premier ministre d'un gouvernement, c'est-à-dire sanguinaire, le premier ministre d'un gouvernement bavard. Le premier ministre d'un gouvernement braqueur, le premier ministre d'un gouvernement bandit, le premier ministre d'un gouvernement des délinquants, le premier ministre d'un criminel, le premier ministre d'un criminotocrate, le premier ministre d'un délinquant pathologique, le premier ministre d'un psychopathe criminel qui s'appelle Mamadi Doumbouya. Maintenant, le complot que vous êtes en train d'organiser là, Miara m'explique très bien l'histoire de Asie King. Yohan dit, moi je ne suis pas pressé dans mes enquêtes. Moi je ne suis jamais pressé dans mes enquêtes. Yohan dit, si vous avez des réseaux sociaux, oui, nous avons dans la WhatsApp. Mais en tant qu'avocat noir, il y a le talent de Dieu, une vraie version, mais on le taque, on est volé dedans. Moi je prends tout mon temps, molo. Yohan m'explique. M'expliquons le complotisme qu'ils sont en train d'organiser encore contre le président Sélou Daleng. Eh, wallahi billahi tallahi, nene be do kadi gibi no biddo gorko. Himbe no sikude président Sélou Daleng ko yettata ko yettu pinka ya darano sadi Mamadi Doumbouya se be yettali pinka be yabe darani Mamadi Doumbouya be ndota ko lamo. On anda dole Allah. On anda ko Allah wawi. On anda gundo Allah. On anda ko Allah wali. Mi jona do exemple. Bibe buy ari le do porto do.
adda haa leyɗo porto ɗo france amérique hara yoɓaali a infran hara ko honɗum ko sabu tum ɓe ƴittiraɓe adda haa amérique haa europe ɗo ɓe naati ɓe jooɗi kadi ɓe golli hara ɓen maɓɓe manene maɓɓe no e nder lagine o ha ittirɗum irtirɗum ko ƴe bimbi hara ɓe ala mais allah waɗa sabu haa itte lagine naade avion avec visa sodane paɗe sodane piiji ɗin fof naade avion kadi haa adde leyɗo porto haa amérique ɗum no waɗude ñande o ñande et puis darotako kadi donc complotisme ko ɓe woni organisegol contre présidentiel dalen mi natane on détail on taw très bien ɗo e non latude on détail mi andina complot ko ɓe woni faala utilisegol asile kingo waɗe kerji ɗin ɓatti sin woli ɗo tum ɓe o mandela so a waɗali kerji ɗin gomi peñante kappere nde gambi son waɗali kerji ɗin wolanta on nouvelle on ko fi hon ɗum o neɗɗo ɗo kadi warde naata e jouer natugol e birdi ko yata e wara mo mais meray wonangol on donc en fijinay o taw o sorti ɓe mawɓe laɓe ɗo ko woni birdi naade ka réseau sociaux ɗo wo mamadi dumbuya wo c'est un exemple no lañol pullo no yurmi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sali leñol pullo ko buyurmi yo mamadi dumbuya l'homme de la situation en Guinée ay machay araka taka 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 bataka taka taraka baba baba taka raka ey mabe futa ya mi wayru nono inne berde harata jaga tagado kadi harata mbudi jaga tagado kadi harata oto jaga tagado kadi harata bilay jaga tagado harata oto je labade jaga tagado harata kadi mafe supu li igerto teo kamista jallo mi wayru no nanne no wole wo ko berde woni harata jaka yammari mawɓe nder fuuta jalon ɗo heɓe ɓuri berɗe weelayde ɓe harata jaka ha ñande alkiyama ha ñande ɓe surra ɓe harata laamu ha ñande ɓe surra ɓe harata mbuuɗi ha ñande ɓe surra ɓe harata tadi ɓe harata tew ha ñande ɓe surra ɓe harata no yurmi en jentoto ɗo taw 9, 1, 9, 4. Yo, waɗa kerji ɗin oɗo menɗa on to yo waɗande lan tête de mort aya waɗana tête de mort ɓen mataw ɗo yader waɗande lan tête de mort ɗum koye hakka koye ara e wolugol ɗo tun gonga ɓeɗen min en waɗu kerji ɗin oyiɗi oɗo huɗaɗo a diɗo tête de mort aya waɗana ɗum taw ɓen ma tête de mort on taw ɗo si ay waɗani ɓen ma après aranala des maudits comme ça là. On vous parle de la réalité, vous ne voulez jamais y croire. Akane la kero ta kapeo kapere non do de lando. Milanda mo no wadi. Toyalo. Ah, Touré, misara. Oui, Anadi, ça va? Anadi, on va non. Tina, on se voit, il y a qu'à dire, je porte les, et j'écris les plaintes, non. On va regarder, demain on se voit. Non, life n'est qu'il y a direct. Ah, ok. Donc, ok. Alors, life n'a pas si bien. D'ailleurs, après, bah, ou bien, Tina. Oh, ouais, Manu, il y a life. M'bara fallait bien, faire qu'à dire, on a plein de sévères. Donc, on va regarder. On attend. Ciao. Donc accane la hakke na ne ko kun kafe on do wone na noddude haaji mabbe si yane pullo be accata fofa lero minute ko noddugol mato ati ara haaji mabbe no ma mi waranta golle hande kadi kapere ara sa yo balla ndu lanino wata do hande kadi on birde ndu lanino donc ko ngone wolande on do kadi en jentoto do taw be mawbe et puis sadi ɓe no woli français e nder o sadi e nde o birdi maɓɓe hiɓe inventi français ɗo on français a yaltal taw e nder vocabulaire landi on buye mo on jentike on sorti maɓɓe merci pompe kerje ɗum mi ara mi haalano hande complot kadi ko ɓe faala organisegol ɓe utilise asile king
fi war gol complot Ousmane Gawal kaydi gine fo hewti ka juudi am ona Mamadi Doumbou ya fi selu dal en waray on lajine gento den do tawbe do mawbe nan hebe woli do français mo goto ha hande gila dictionnaire créa gila Mamadou bin eta créa son devenu grand ha hande are sifa en français be wolali taw wola ka taw lajine na fere du non dal le monde entier gento don do se hewti kamodon en gento to gento nan le monde entier nous confirme. Donc c'est pour cette raison le monde entier nous confirme. Nous avons le devoir de soutenir cet homme-là. Mais qui est cet homme? Je voudrais dire que lorsqu'on examine les évolutions du monde, on constate une vérité qu'on ne peut pas démentir, à savoir que la science militaire, elle est celle qui a précédé, instruit, et motiver la sociologie politique, la science politique, arme de combat des partis pour la conquête du pouvoir. Quand on constate, quand on suit l'évolution de notre président à travers les différentes étapes de son parcours. Quand on suit l'évolution, les parcours, voix de son président, parce que Mamadi Doumbouya n'est pas notre président. Hi. Gente na porteur d'engara yoni. Le citoyen guinéen ne peut que se réjouir et être fier de lui. Comment c'est cet homme-là qu'on l'a vu en France Le citoyen guinéen peut être se jouir. Ça dit, habetons, habegain après. Je vais guerre en France, à Paris 7e, on l'a vu à l'école d'infanterie. À Paris 7e. Allah wa kubar. Mawbe onon kadi yon jula ache bi obirdi birdi. Yon mari tani rabe, bibe tani rabe. Wo dan Paris 7e. Lenyol pullo. Kondum me wadi Allah. Lenyol pullo. Mamadi Doumbouya. On a vu Mamadi Doumbouya dan Paris 7e. Ok, mae. Il est blindé à Saumur en France. On l'a vu dans nos formations militaires au Sénégal, au Gabon, en Israël. On l'a vu dans des opérations et missions militaires à Djibouti, à Chypre, en Côte d'Ivoire. On l'a vu à Mali dans des exercices militaires avec l'armée américaine. On l'a vu en Afghanistan. On l'a vu au Royaume-Uni. On l'a vu à Mali. Continuons. Donc cet homme-là, c'est une chance pour la Guinée de l'avoir à la tête de l'État. Parce que il a eu... Eh Allah. Eh Maoubé, qu'on nous a dit. Qu'on dit le Nika, qu'on tara Nika, qu'on jantouni. Ça c'est une bonne chance pour la Guinée. D'avoir un criminel, ça je suis d'accord, ça c'est une malédiction. D'avoir un criminel comme ça à la tête d'un État, à la tête d'un pays. Ça je suis d'accord, mais ça c'est une chance pour les Guinéens. On va montrer maintenant le développement des 3 ans de Mamadi Doumbouya. Mais, qu'au français, goto be woli do mi fala yon gento. Toutes les aptitudes grâce à ses aptitudes physiques et mentales. Il a acquis un savoir-faire. Il a acquis des connaissances et des expériences qui font qu'aujourd'hui, cet homme est le seul capable de sortir notre pays de cette pauvreté politique, de ce marasme économique. De cette pauvreté politique. Je n'ai jamais entendu ce que dans le langage de la politique qu'on peut appeler... On peut utiliser un mot ou une phrase de cette façon en appelant la phrase là de la pauvreté politique. D'abord, qu'est-ce que c'est que la définition de la pauvreté politique? Si on y est, on l'indique, c'est des discours que vous avez oublié. Si on l'indique, une vraie définition de la pauvreté politique, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Ça dit, il n'y a pas de micro. Il n'y a pas. Si vous dites 3 milliards de cobes, vous n'avez pas de cas où vous avez des syndicats, vous n'avez pas de falira. Si vous avez des birds, vous n'avez pas de mauvais. Si vous dites les nangis, vous n'avez pas de temps. Mais moi, tout. Maintenant, quand vous avez des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens
mi hala kadi mi fillito me yenna taw wallahi billahi taala himen mari nedi futa biddo qiyam pullo me yenna taw me argol do wola non gonga kan dum non men ara men wola non do gonga kan ha dogo yo andi bibe fulle be no mari nedi wana onon be mawbe wonde wadde o birdi birdi do siko kankan wonno noni hakkunan Allah sina jeunesse kankan o yaay no lancha galle mon den fo sunna galle mon den fo fami mon o fo dogine me batti lenyol pullo bibe fulbe no okora nedi hibe jangyal qur'ana hibe hula mokoba hibe hut salibe teddini tagado me onon mawbe on teddina hore mon hakkunde mon Allah ko mawadi dum bo et une chance pour sortir de la Guinée de la misère hakkunde mon e Allah fiyon jonna otowal et 3 milliards ko nyamo mbudi tunudi l'argent sale bibe fulbe no wara i jam fulbe no hibba kono arata etta di mbudi nyamo joni na bido mon wara hande na bengo mon wara na minira mon wara na fami mon mambur fami mon hay goto fella konakri lagine kalax ko be bibe fulbe warabe ko din buri bem bibe fulbe arata be jonna ko dun ettoto e birdi birdi nagol manku gol respect même aux familles victimes de l'histoire de 28 septembre ça dit etc ha karden kamamadi dumbuya do ko din buri bibe fulbe warabe be ko din ono din buri ettoto ino on hebi jawdi ko nyamo minni ya yalla rewla bal hakkunemo e bibe fulbe ben fo dimbudi tawi dimbudi ko bibe fulbe wara gibe hibba gijan kansa selu kansa yeton dimbudi aron wolugole o micro ya labal yalla rew labal hakkune mo e ginen fop e bibe futa jalom ben fop yalla rew labal hakkune men yalla rew labal hakkune mo e bibe futa jalom ben fop e kala lenyol halo pulen der lagine fo e kala gine nge wondo lagine fo o sortimo yalla rew rabal hakune mo me wanda ko wadon do ko bati yijan goddo wata sans gol yijan ha hande minana e goddo no wola ex femme ex mari me innu gol mo next enfant je n'ai jamais entendu ça depuis be fuddi créer gol dictionnaire Larousse. Jusqu'à présent, les Blancs n'ont pas pu inventer le mot là ou la phrase là. Qu'on peut appeler son enfant ou un ancien ou mon ex-enfant. On peut appeler ex-femme, ex-mari, mais ex-enfant là, ça ne va jamais se dire, ça ne va jamais se produire dans le dictionnaire ou dans la Larousse là, jamais de la vie. Jamais, même dans la langue moulière, on ne peut pas utiliser cette phrase. Appeler son fils ex-enfant ou ex-fille, jamais de la vie. Mais on non. Au discours, mon yato don wado don don, on a qui bipe bipe mon tanira be mon bipe mon ben, on a qui be e hersa, ko lanata hanyan de algiama. L'histoire, c'est l'homme qui crée l'histoire. L'histoire n'a jamais créé un être humain. Mimi si kunono, maobe wano mon, yon marigite, on yay ha kasudu alla wuni. On yai ha makka on yi fore on ko inni ko be fala kan budi mamadi dumbuya on yi kankan kan mamadi dumbuya inni ko don o heba dini be fala ka fi mako jamais de la vie o yetti plus de 1,5 milliard pour remettre à la communauté chrétienne. Ils ont été fidèles, ils ont dit qu'ils ne veulent pas l'argent là. Un pays soi-disant 90% de musulmans, c'est les gens-là qui vont prendre l'argent aujourd'hui. C'est-à-dire, ils vont avoir peur, de Mamadi Doumbouya. Ils vont oser Dieu. Ils vont venir mentir devant Dieu. Ils vont avoir peur de ces criminels, de ces bandits. Et ils vont oser Dieu. Allah wa kubar. Eh! Djaka bido pullo harata jaudi. Djaka redu pullo. Bipe fulbe go redu mapeni no waywa berde ko harata. Minana na benna. Sa nyami ko men wonno pay ko men na men haral be na ya boni redo na berde jaka berde kadi no wodi de harata jawdi. Allah akbar lenyol pullo no yurmi mi hala ni on ko lagine tun biddo pullo hebata jawdi harate dinaka ko dun tun ko lagine tun iyata do
madum ender aduna lawfo siko harako balejo sa mari mbodi porto tapante garde bu ender aduna lawfo partout dans le monde entier gento don après continuer complot ko be woni organise gor kon kadi fino dugor aji woyo yaw lagine be inventa ko be woni invento gol he Ousmane Gawal mi hendike fop gento don le taw to hersinani mawbe futa yaltugol wada sifa di birdeje yo andi mi yaltono do mi wonani on fi hala jalseni dalaba min ni on o coordinateur hali kula mi dari be ha mi jiti ke min ni be hidase ludale min ni les gens là ne veulent pas de ces ludale mais mi ala na wunde wotere maninka ko woni o maninka son siki be maninka be hidayo on anda ko enete gullo Allah so siki be manika be hida yo onda ko inete ullo Allah ndare do taw mi holla on photo preuve do sedani ndare de preuve sedan woni on hollo gollo ndare do hala jalseni dalaba ndare do ibe jetti jungo Mamadi Doumbouya ngo hibe hurade Mamadi Doumbouya ndare hakuna mo Allah Mamadi Doumbouya woni kulade be non parce que Mamadi Doumbouya non andi on fait wa na on himbe feube yo sikure Mamadi Doumbouya ko fetu do Mamadi Doumbouya n'est pas bête ndare non Mamadi Doumbouya woni ndaru golbe non ka yeso ndare nan himo kula debe e regardez les photos ne ment pas ndare do ndare regardez ici comment Mamadi Doumbouya en train de regarder ndare non woni kula debe non ndare hakune mo e Allah habbe mi jan ina mo ya yeso Mamadi Doumbouya ngo on yi Mamadi Doumbouya do on yi ko moni do on yi no moniri no on yi mo moniri no on yi do ka andare no ko junga makongo ndare hala gel seni dala ba wala ha jaba de ndare do yo siku de Mamadi Doumbouya hidai lenyol mo buri lenyol maninka hi ndare do ndare no Mamadi Doumbouya wone be kulade no ndare wono si goddo inni ko afus ndare do regardez très bien, l'image la parle claire. Dare no Mamadi Doumbouya wone kula debe no. Dare. Mamadi Doumbouya hari ha Allah hay jalande be dare do. Dare. Yo sikude Mamadi Doumbouya ala hakil. On fa mal e fous. Même itori ke mal en fatti ke mal. Ya Allah rew la bal hakku nemo o fop. Kala na to do hikka mi wolite. Nami malaika. Nami annabijo. Nami prophète mais si tari bibe fulbe warama gila 1958 ha hande ha arti Mamadi Doumbouya bibe gijan fulbe no hibede no warede on jodotaka nyalla do wala fi justice ko anini no ko Mamadi Doumbouya yo signa un contrati addo marchandise lagine nyawlo Mamadi Doumbouya millions de dollars yeton kade dimbudi kade ya on contre fi presidential lodal yo Allah rew la bal hakune mo on fop yo Allah lew yalla rew la bal hakune mo e selu dal kala mo nato do fi jam fagol presidential dal o yalla itu fi rew on tig yo Allah wirto yeso lagne fop mi tori ke ma mi fatti ke mala yo siku de ko yaw ton do jodagol jangangol Mamadi Doumbouya Allah jabay dum Allah jabay dum yettudo deftere hudi wo wona ta candidat warakadi wo ginen fo wona enene goto e baba goto wara liba galle selu dalendo himbe ben jodo kadi tapana mo jode jango mi holla yon histoire gibuy ko fetti hore selu dalen ko fiwno selu dalen anya baton ala famude yon joki tun ma waron selu dalen ma her sinon selu dalen mais on fo on maye achon selu dalen harano wuri selle kenkadi kala mo jodani do innu goldo yalanta mo mayre ni Allah yobay on yira gite mon den hay ne bata me ko hunde wotere mi mari do ko mi wolana e der lagine fo e yeso aduna la fo hande kadi wala ne president selu dalen gorko susay tagado susay si goddo bonnani ma dir ko haka jimbal mi tori ke Allah fatte ke Allah kala won don landaro de do on fo won be IFDG do woni lenyol pullo woni soso woni maninka hala ne presidential dalen
cette fois-ci, il prend courage. Si l'élection organisée qu'à Doha en janvier, c'est lui dans le yalto réclame victoire Macron. Kouada ta kon foutre d'un wad gol. Je n'ai plus rien à dire en président Sildalen. Je n'ai pas de conseils à lui donner. Il faut dire à celui du président Sildalen de oser maintenant. Nebi, ça fait des années, je suis en train de déclarer ça sur les réseaux sociaux. Hala n'est président Sildalen cette fois-ci là, qu'il s'organise avec la société civile, FNDC, tous les partis politiques, parce que c'est lui qui est parti aux élections présidentielles 2020 octobre avec Alpha Condé. Il a les résultats, il a les copies. Dites à Selou Dalen, après le mois de décembre, là, si Mamadi n'a pas organisé les élections, Selou Dalen n'a qu'à oser de réclamer sa victoire devant le monde entier. Selou Dalen, sous-soubouille. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Alors, c'est le président Selou Dalen. Il y a tout courage. Il y a tout courage. Odon nyande go me foto no italien jari me sonkude o landi lango dungo mini no mimi landaki dunhande o ha sa landaki dunhande ha hande ko hondu inata sa landi kebe jonnotama ko dun italien o jabila mini ko gonga ma sa landaki kunde kari ko honno be getta tabe jonna ma landaki mini ko gonga ma alandi kebe ini be jonnotama mini no o ina wacho kansu gole mebe awa hala ne presidence lo dane december do se hewi manda Mamadi Doumbouya lanni ko Mamadi Doumbouya itti kayri ri signe ko kanko e windi charte Macron article 46 no laadi ko windi ko signe o yetti copie jidin fo kadi o joni cediao article 47 kadi mo andi ko woli kon devant les magistrats Mamadi Doumbouya no andi o ni wo so feni hore sariaon so trahi serment ko woli kon wo lagine fo sariaon yo jokku mo kanko kadi dans oridum men ala ko men ala na presidential min do mi ala ko ma ala na de kadi presidential dalen hala ne presidential dalen yobi jettu courage ko wadi Venezuela ko no way wadde la gine yobi jettu courage après le 31 décembre là si Mamadi Doumbouya organise les élections hala ne presidential dalen yo e sousou il n'a qu'à déclarer ses victoires. Quaro ita wo conséquence quaro ita wo yo aro. Soi joni selu dalen si wade dun joni on iya ils vont commencer à réfléchir parce que Mamadi Doumbouya ko fala do wo c'est sa légitimité. Maintenant argol akita ka sori de do balle do je vais rentrer dans les détails là ha gento den do. Ko woni organiser de fondo go e ar de akita ka sori e prépare de fondo do premier ministre jo kadi soso jo entre kiri di bangura e Baydi Aribo e Malik Sankon e Kassori Fofana en aray natu golo detail ha gente don o phrase mabbe ko o français ko be woli do hay porto be ha hande yaltinal sifa en français ko dun tun intéressé la o video mabbe mais ko lutti kon ko be woni wolde wo kala tagado ko watta wo Allah nyaway yo Allah rewla bal hakune mabbe bibe futa jalom be fo yo Allah rewla bal hakune mabbe yijan fulbe ko woni ka berde bambeto mi torkema Allah fatikema Allah sibi geti di mbudi ati nabi do mabbe waraay mo sibo mabbe ay goto wara kay dum ko bibbe tampu be wara ko bibbe himbe immide inni no hediri presidence lo dale fi Allah hota nabijo se lo korabe fus be hidiri moni fi Allah hota nabijo be hidiri presidence lo dale fi dum be yebe wara be fella i jama be hibbi wobe ha hande itala fure bibbe mumbe yon jodi onon wonon ko mawbe yobe makka dari mabbe no arata do e birdi nagol hakkunde mo Allah en plein 21e siècle on yi monsieur 2000 km ka bawuri on yi vido bawuri on jonon ko bawuri jodoto do e Ousmane Gawal bena do wo joni communicant be men blogueur be men no tampini be ka réseaux sociaux wo be o yettude façon do disposition joni wo pour extrader les blogueurs et les communicants sur les réseaux sociaux bawuri ti a été quand même ti n'est pas un semi analphabète. Qui a été quand même à l'école. Un gouvernement qui n'est pas légitime, Bawuri, vous ne pouvez pas demander un pays d'extrader quelqu'un en République de Guinée. Il y a la convention internationale de l'Interpol du 23 octobre 1958. Il suffit seulement de lire les textes de loi. Mamadi Doumbouya n'est pas légitime. Mamadi Doumbouya ne peut pas extrader quelqu'un en Guinée. On vous a dit ça, là, fatigué.
Mais Bahouri, en tant qu'un délinquant intellectuel, Bahouri fait semblant tout le temps de jouer l'alphabétisme intellectuel avec les gens. Mais Bahouri, le film hindou là, c'est les dadistes qui ont été jugés aujourd'hui, non? Bahouri, tes propos contre le clan des dadistes là, c'était quoi même? Pas CNRD là, CNRD c'est le Mamadi Doumbouya, CNDD. CNDD, hein? Bahouri, tes propos où tu disais aux enfants des pauvres de sortir réclamer leurs droits, Dadi c'est un danger pour la République de Guinée. Bahouri, Mamadi Doumbouya qui a assassiné plus de 500 Guinéens, il est venu braquer un pays, il a braqué Alpha Condé, il a eu plus de 200 et quelques morts le jour là. Les corps ne sont pas retrouvés jusqu'à aujourd'hui. D'autres corps même ont été lancés dans l'île de Kassa. Mamadi Doumbouya n'arrive même pas à remettre les certificats de décès à ses familles victimes-là. Bahouri, tout ça là s'est passé devant toi. Bahouri, le Fonike Mangé. Bahouri, Biloba, Bahouri, ça s'est passé devant toi. Sadiba Koulibaly, Bahouri, ça s'est passé devant toi. Monsieur Célestin, Bahouri, ça s'est passé devant toi, Bahouri. Bahouri, vous allez finir mal dans ce pays-là. Cette fois-ci-là, quand l'histoire là va finir là, les Guinéens vont retrouver leur pays finalement. Mais Bahouri, du courage. Du courage. L'imbécilité intellectuelle là, chacun peut jouer son rôle comme il veut là. L'arrogance intellectuelle là, Bahouri, chacun peut dire ce qu'il veut. Bahouri, j'ai tous tes dossiers, les transactions de compte bancaire. Mboudiko Bahouri et Tifendoro. Bahouri est devenu multimillionnaire en France CFA aujourd'hui. Bahouri, tout l'argent que tu as pris pour amener dans la banque à Dakar, là, Bahouri, j'ai tous les copies là dans ma main. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Vous pensez que nous sommes sur les réseaux sociaux là, on dort. Hein? On paye de l'argent pour avoir des informations. Je vais vous dire ça aujourd'hui. On paye de l'argent. Les informations là, ce n'est pas cadeau, hein. C'est pas cadeau. Les vraies informations là, ça se paye. On paye. En tout cas, moi, je paye. Et quand je suis sûr, je paye Bahouri. Bahouri, j'ai tes dossiers. Tout l'argent qui était parti déposer à Dakar dans les banques aujourd'hui là. Bahouri, on a tous les dossiers. Les 25 millions de dollars que Gomu, comment il s'appelle là? Celui que j'appelais la tête de Fakocher là. L'ancien premier ministre là. Quand tu vois ces joues-là, on dirait que c'est des facochères même qui sont fâchés dans la bourse. Les 25 millions de dollars qu'il a détournés aussi. Bahouri, on n'est pas pressé. Maintenant, bientôt d'un dos. Donc, si vous êtes trop intelligent, vous êtes surdoué. Parce que vous avez une haine contre le président Seldalen qui ne va jamais finir dans la vie. Mais, hé, oh, mais il y a ton dos, c'est l'oudalé. Mais, alani, Allah, qu'on a dit, alors, nous, surprise. Yen lu dehande selu dalen budo lagi ne politik ko selu dalen arto dabas makasa ito kasa yo ka election batoto wo mi wolani on soyez prudent ka election batoto wo inama 2 mois ou 3 mois bientôt les élections il faut venir targuer selu dalen ici il faut lui coller affaire d'ethnie parce que affaire d'air guinée là ça c'est mort on peut plus parler de ça affaire d'air guinée là ils ont organisé l'histoire là, eux-mêmes ils sont morts dans leur film. Ils sont morts dans leur film de Air Guinée là. Donc Air Guinée là, on n'en parle plus de ça. Maintenant, vous êtes sortis maintenant sur un autre plan. En utilisant des blogueurs, vous allez utiliser des blogueurs pour venir encore parler de Selou Dalen. Vous allez ouvrir des faux procès encore contre Selou Dalen. J'ai toutes les informations aujourd'hui. Si je gagne des gens, je vais m'expliquer. Ah, où est-ce que tapez le cœur. Ah, Doumbouya. Doumbouya, il n'y a pas de la barque. Mon balle de mon lani, n'a pas de terrain sonata. Quand on a un terrain de si son, il n'y a pas de la barque. Gento de l'eau, ben m'a birdi, ben do. Ou on a un béaï maka. Là, va couper. Écoutons. Le monde entier nous confirme. Mesdames et messieurs, nous avons le devoir de... Comment quelqu'un qui est parti à la Mecque peut... Ah.
Comment quelqu'un qui est arrivé jusqu'à la Mecque qui prie, qui peut devenir un vieux mythomane comme ça là? Il dit que le monde entier nous confirme aujourd'hui que c'est Mamadi Doumbouya qui peut gérer le pays là. Eh, Maube. Est-ce que Yomari Bibe, Yomari Tanirabe, Wompen Darugol au vidéo? Minsi Kono Wono Bembenga, Harela Hirsi, Halala Hirsi, I know Dougal, on hand de Baba Maulo. Wallahi Bilayt Allah. Il accuse même le monde entier. Non? Il dit que le monde entier nous a confirmé. Il y a combien de pays qui existent dans le monde? L'Afrique même est composée de combien de pays d'abord? En Afrique, si on prend le continent africain, on a 54 pays d'abord. Est-ce que vous avez consulté Rwanda ou comment on appelle là, et Congo et comment on appelle le pays là, Maroc, ça dit etc., etc. Vous savez, il dit que le monde entier nous confirme une diffamation grave, calomnie grave à son état, le vieux là, à son état de venir bavarder comme ça là, sous les médias. Wa do no ina do wa la wa kubara la ye yon yurmi mawbe yon yurmi alla ti firay mon der labe ko min no wolani on do hande kadi maro no mandi do don ka hala ko dum minni ka video an ko hanki ka ko ichanki min yalla na do adi janna me buyo mo wi nadi lan ka commentaire ji on ni yom acci no gol yalla na do be adi janna me on famali alanka on famali proverbe ko fi on dum mi wolerdum. Mais m'expliquer, on bouille ka WhatsApp. On famale ko fihondu minni yo Allah na do gali janna. Mais on famale ka hala. So mari bibbe hande tanirabe. Dun no hersi. No hersi ni. C'est honteux même pour avoir un vide soi-disant de fouta jalon comme ça. Venir, les enfants de peur sont assassinés. Des Guinéens sont assassinés, le pays est pris en otage, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Kono yaltata, voici des fonctionnaires qui ne sont pas payés jusqu'à aujourd'hui, mais ont gardé le secret là, comme top secret. On n'en parle même pas, les diplomates, ça fait plus de 6 mois, 7 mois, il y a de ces diplomates, soi-disant diplomates, ils sont tous composés de l'ethnie malinké dans toutes les ambassades. C'est-à-dire toutes les ambassades sont devenues maintenant Mandenkoura. Mais campagne, aujourd'hui, on a deux personnes qui sont en train de faire campagne. C'est que les Guinéens n'ont pas compris. Idi Amin en train de faire campagne à Farana. Mamadi Doumbé en train de faire campagne aussi de son côté. Et le pays l'a fait pitié. Vous n'avez rien compris. Hein? On fait mal les fous qu'on est fait de la Guinée. On y a l'Idi Amin qui a fait campagne. On fait mal les Idi Amin qui a fait campagne. On fait mal Idi Amin et Mamadi Doumbouya Fendoro. Mobe Mabe Nati et campagne. Mamadi Doumbouya et Amara Nati campagne. Clan Bala Samoura et Idi Amin Kadino Nati campagne à Farana là-bas. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails. Kalamar Dodo, enfant de politique Wodo Famay. Idi Amin est rentré en campagne avec Bala Samoura. Et Mamadi Doumbouya est rentré en campagne avec Amara. Mamadi Doumbouya est en train de faire campagne avec Amara. Vous avez vu quand il est arrivé, c'est la maman d'Amara. Leur campagne, c'est quoi? Mot de passe, comme ce qu'il a fait à notre grand-mère là. Il s'est présenté, c'est la grand-mère là. Bon, comme elle est de Fouta Gallon, il a fait semblant là-bas. Il débarque là-bas, il prend le riz. Campagne, il mélange le riz, il commence à manger, il se sert la sauce. Mais bato yuti Amara, l'endemo, dans la vidéo. Kon kampai wone getu gol joni o so ye kai bebe o geta nyiro rota o nyamani hey petit Doumbouya tu n'es pas plus intelligent que 14 millions d'habitants. Tu n'es qu'un délinquant, un voyou expérimenté, un criminel, un voyoutocrate, un assassin. Hein? Un mytho international. Un psychopathe délinquant international, Mamadi Doumbouya. Un narcomania, Mamadi Doumbouya. Tu penses que tu peux tromper l'intelligence de 14 millions d'habitants? Tu fais campagne maintenant, que tu peux aller chez les gens, tu manges. Et c'est, hey, on n'achète pas le cœur de quelqu'un. L'amour, il n'y a pas l'amour forcé. Tu nous as dit que tu es venu faire l'amour à la Guinée. Vraiment, bravo. Tu nous as enceinté.
qui a enceinté tous les Guinéens, Mamadi Doumbia. Bravo, tu as bien travaillé de mettre en grossesse tous les Guinéens comme ça. Là. Un pays, tout le monde est en grossesse. Mamadi Doumbia nous a tous mis en grossesse. L'amour là, vraiment, tu sais faire l'amour à la Guinée. Vraiment, tu as lové avec les Guinéens. Un délinquant psychopathe comme ça là. Pora. Vous pensez que votre affaire d'ethnie là encore, ça va marcher en Guinée, en Bansané, Mansaya Boni Sambrele là, après Tami Salon, Nambra Mansaya Mina. Ah, allez Mansaya même Boto Salon là, Adiwa Segba Fanana. Vous n'avez rien compris. Le 31 décembre 2024, Mamadi Doumbouya, ton pouvoir est fini. J'ai tout le temps dit ici, il y a des gens qui ont alerté ça avant moi-même. La guerre civile que vous cherchez cette fois-ci dans ce pays-là, ça va se réaliser. Wallahi billahi ta'alaï. Si vous pensez que Mamadi Doumbouya va rester au pouvoir là, vous rêvez. Emmanuel Macron aujourd'hui, il est devenu une abomination même pour les Français. Emmanuel Macron est devenu une honte de la démocratie française. René Cassin n'a plus de valeur. Où se retrouve Emmanuel Macron? L'un des pères fondateurs des droits de l'homme en France, il n'a plus de valeur à cause d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron en train d'humilier toute la France. Toute la France est humiliée à travers Emmanuel Macron. C'est déjà jamais vu. Emmanuel Macron ne respecte rien en France. Oui, maintenant Emmanuel Macron utilise en France la démocratie à l'africanisme. Oui, Emmanuel Macron, Monsieur Tout-Faire. C'est comme ça son nom, Monsieur Tout-Faire. Monsieur Tout-Faire, Emmanuel Macron, Manu Macron. Emmanuel Macron fait la honte de la France aujourd'hui en matière de la démocratie. Il fait la honte de la France, Emmanuel Macron. C'est une honte. De venir prendre un grand pays du monde comme ça, manquer de respect aux institutions françaises, manquer de respect à la Cour suprême de la France, manquer de respect à la Cour constitutionnelle. Quelqu'un qui ne gagne pas les élections législatives, voilà! Les donneurs de leçons à Assimi Goïta, à Ibrahim Traoré et Tiani. Voilà. Coup d'état de Tchad là, c'est un bon coup d'état. Coup d'état de Mamadi Doumbouya, c'est un bon coup d'état. Coup d'état de Gabon là, c'est un bon coup d'état. Mais Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Tiani là, moi-même j'étais contre, avant j'étais contre Tiani. Mais quand j'ai commencé à regarder l'évolution de M. Tiani, avec Assimi Goïta, avec Ibrahim Traoré, je ne peux pas dire Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, ils sont parfaits. Non. Toute personne est née avec des défauts. Eux-mêmes, ils ont des défauts. Parce que quelqu'un ne peut pas connaître tout dans la vie. Mais ce qui se passe au Mali aujourd'hui, là, Burkina Faso, là, Niger, là, ce n'est pas la même chose qui se passe aujourd'hui en Guinée, au Gabon. Et ça dit, Tchad, vous avez vu même. L'opposant a été assassiné, sauvagement assassiné. Vous avez vu les ONG dénoncer ça? Vous avez vu les médias français parler de ça? Vous avez vu RFI, BBC commenter ça, parler? Mais au temps d'Alpha Condé, là, quand Alpha Condé a dit qu'il va retirer tous les contrats aux Français, là, vous avez vu comment ils se sont encharnés contre Alpha Condé? Il n'y a pas de droits de l'homme en Guinée. France 24, RFI, chaque 3 minutes, c'est dit, les médias démagogues, là, chaque 2 minutes, chaque 3 minutes, on parle d'Alpha Condé, on sabote le pouvoir d'Alpha Condé, mais ils ont validé le troisième mandat d'Alassane Draman Ouattara, Ouattaratisme. Vous avez vu, non? Voilà. Donc en Afrique, il y a deux catégories de coups d'État. Les élèves qui respectent la France-Afrique et les élèves qui ne veulent pas se soumettre à la France-Afrique. Bravo, monsieur Manu Macron. Bravo, monsieur Emmanuel Manu Macron. Donc on va écouter ça. Mais, monsieur Emmanuel Macron, ce qu'on va vous dire, nous les Guinéens là, ce que les Maliens ont fait là, ce que les Burkinabés ont fait là, le courage là, Niger là, ce qu'ils ont fait là, nous aussi, nous les Guinéens, on va attacher la ceinture. On va seulement vous enfermer. Vous avez nié ici qu'il n'y avait pas les bases militaires françaises, comme ce que je vous ai dit. Ça dit son nom de baptême même pour que c'est un menteur. Ouya Sanda Kouyaté là. Ouya Fola Sanda Kouyaté. Vous avez vu ce qu'il a déclaré là.
que même Sékou Touré n'avait jamais accepté les bases militaires en Guinée. C'est pas aujourd'hui que Mamadi Doumbouya va signer des contrats pour accepter les bases militaires françaises. Est-ce que vous êtes plus... On va écouter ça même d'abord. C'est-à-dire, le pays là, c'est un pays malade. Mais Alpha Condé nous a dit ça avant. La Guinée, c'est un pays, plus que tu mens là, les gens y croient. Oh. Si tu ne mens pas là, écoutons, hein. Ouya Sanda Kouyaté, Ouya Fola Sanda Kouyaté, sort nous dire qu'il n'y a pas les bases militaires en Guinée. J'étais le premier à dénoncer ça ici, non. Moulia et Foto Guinée. Ministres sont en train d'installer les bases militaires entre la frontière de Mali, Kouré Mali et la Guinée. Les gens m'ont insulté ici, là. Après 2 ans, la vérité est avérée, non. Après Doubidi du Congo, non, qu'on faut qu'à Diarti. Hein? Idi Amin est sorti dans les radios espaces ou quoi là, il nous a dit non, que les blogueurs sont en train de mentir, les communicants. Est-ce que nous sommes plus qu'un parlement qui travaille au nom de la France, au nom de la constitution française, un parlementaire qui sort, qui ont interrogé même les gens en question, les militaires, qu'ils ont reconnu. C'est-à-dire, le pays l'a fait pitié. Hein. Vous pensez que vous allez venir endormir les gens ici là? Vous allez, le deal c'est quoi? Il faut que Mamadi Doumbouya arrive à aider Emmanuel Macron pour déstabiliser le Mali. Comme ça, le délinquant narcomaniaman, Mamadi Doumbouya, le criminel, comme ça ils vont le soutenir pour l'imposer au pouvoir. On ne peut plus imposer des criminels au pouvoir pour les Africains. Nous là en tout cas, on va se lever contre Doumbouya. On n'est pas pressé. Oh. Cette audition, elle avait lieu à huis clos. Et donc, j'y ai posé 3 questions et j'ai publié les 3 réponses du chef d'état-major des armées. C'était bien mon droit parce qu'en réalité, les débats à l'Assemblée nationale sont publics et en dépit de ce que semble imaginer Jean-Michel Jacques, même quand il y a huis clos, ces débats sont publics. Écoutez, d'ailleurs, il y a un compte-rendu de toutes les auditions, y compris lorsqu'elles sont à huis clos. Deuxièmement, évidemment, le chef d'état-major des armées n'a pas révélé quelque chose qui relèverait du secret de la défense nationale parce que les parlementaires ne sont pas habilités au secret de la défense nationale. Évidemment, je n'ai rien trahi. Le troisième point, c'est que la question sensible, manifestement, que j'ai posée consistait à demander s'il y avait des soldats français en Guinée. C'était une demande de confirmation, parce que cette information, elle est sortie dans la presse il y a quelques jours. Elle est connue même des Guinéens qui sont témoins et qui savent reconnaître des soldats français au milieu de soldats guinéens. Et donc, elle ne met pas en danger les soldats français qui sont présents en Guinée. En revanche, elle a une sensibilité politique très forte. Aujourd'hui, la Guinée est une dictature qu'il y a un peu plus de 2 mois en Guinée. Les 2 grandes figures de l'opposition démocratique que sont Mamadou Biloba et Fony Kémangué ont été enlevés et qu'on ne les a toujours pas retrouvés et il est fort possible qu'ils aient été assassinés par la junte militaire au pouvoir. Et donc, évidemment, demander au chef d'état-major français si les soldats français sont présents en Guinée, c'est demander quel genre de relation la France a avec cette junte militaire. Ça, c'est très gênant pour un macroniste. Alors je préviens Jean-Michel Jacques, je lui dis une chose. Tu peux, cher Jean-Michel, réunir le bureau de la commission de la défense, mais le bureau de la commission de la défense n'a pas le pouvoir de me sanctionner. Deuxièmement, je n'ai donc pas violé ni le règlement de l'Assemblée nationale, ni a fortiori la loi, donc il ne se passera rien. Et puis, je vais te dire une chose, je crois que la démocratie vit de transparence, et moi, j'ai bien l'intention de continuer à faire vivre la démocratie, et donc d'être transparent à l'avenir. Voilà. Yassanda. Ouya Sanda Kouyaté, viens de mentir encore ça là, mythomane que tu es, un père de famille vaurien, un père de famille menteur, viens de mentir ça encore, c'est un français qui parle encore. On va recommencer la petite partie là. Alors ça, c'est un courrier que j'ai reçu ce matin. Écoutez. Ce courrier, il m'est adressé par Jean-Michel Jacques, le président macroniste de la commission de la défense. Et qu'est-ce qu'il me dit, Jean-Michel Jacques? Il me dit qu'il n'est pas content. Pas content parce que j'ai publié sur Twitter un thread dans lequel je reviens sur le contenu de l'audition du chef d'état-major des armées qui a été auditionné mercredi dernier. Cette audition, elle avait lieu à huis clos. Et donc, j'y ai posé 3 questions et j'ai publié les 3 réponses du chef d'état-major des armées. C'était bien mon droit parce qu'en réalité,
réalité, les débats à l'Assemblée nationale sont publics et, en dépit de ce que semble imaginer Jean-Michel Jacques, même quand il y a huis clos, ces débats sont publics. D'ailleurs, il y a un compte rendu de toutes les auditions, y compris lorsqu'elles sont à huis clos. Deuxièmement, évidemment, le chef d'état-major des armées n'a pas révélé quelque chose qui relèverait du secret de la défense nationale parce que les parlementaires ne sont pas habilités au secret de la défense nationale. Et évidemment, je n'ai rien trahi. Le troisième point, c'est que la question sensible, manifestement, que j'ai posée consistait à demander s'il y avait des soldats français en Guinée. C'était une demande de confirmation parce que cette information, elle est sortie dans la presse il y a quelques jours. Elle est connue même des Guinéens qui sont témoins et qui savent reconnaître des soldats français au milieu de soldats guinéens. Et donc, elle ne met pas en danger les soldats français qui sont présents en Guinée. En revanche, elle a une sensibilité politique très forte. Aujourd'hui, la Guinée est une dictature. Qu'il y a un peu plus de deux mois, en Guinée, les deux grandes figures de l'opposition démocratique que sont Mamadou Biloba et Fonny Kémangué ont été enlevés et qu'on ne les a toujours pas retrouvés. Et il est fort possible qu'ils aient été assassinés par la junte militaire au pouvoir. Et donc, évidemment, demander au chef d'état-major français si les soldats français sont présents en Guinée, c'est demander quel genre de relation la France a avec cette junte militaire. Et ça, c'est très gênant pour un macroniste. Alors je préviens Jean-Michel Jacques, je lui dis une chose. Tu peux, cher Jean-Michel, réunir le bureau de la commission de la défense, mais le bureau de la commission de la défense n'a pas le pouvoir de me sanctionner. Deuxièmement, je n'ai donc pas violé ni le règlement de l'Assemblée nationale, ni a fortiori la loi, donc il ne se passera rien. Et puis, je vais te dire une chose, je crois que la démocratie vit de transparence, et moi j'ai bien l'intention de continuer à faire vivre la démocratie, et donc d'être transparent à l'avenir. Voilà. Voilà alors, Ouyasanda vient démentir ça encore. C'est un Français qui parle, qui fait partie du Parlement français, qui a été élu comme un député. Voilà les preuves encore. Venez mentir encore ici là, bande de nullards que vous êtes, des criminels au pouvoir comme ça là. Il n'y a pas de base militaire en Guinée. Les bases militaires françaises n'existent pas en Guinée. Depuis un an et quelques, j'ai commencé à dénoncer ça. Les gens, ils nous ont traités, ils traitent tout le temps les blogueurs, les communicants, des mythos, des menteurs. Ton nom de baptême prouve que tu es un menteur. Où y a fola sanda kuyati. Où y a fola sanda kuyati. Ton nom de baptême prouve que tu es un mytho, que tu es un menteur, criminel, voyou. Délinquant, vendeur de passeports diplomatiques. Vendeur de passeports diplomatiques, vendeur de visas américains, vendeur de visas européens, Schengen. Vous pensez qu'on ne sont pas au courant de tout? Il faut venir démentir encore ici, avec tes discours farfelus là. Non, et depuis au temps de Sékou Touré, vous utilisez Sékou Touré pour quoi encore? Vous utilisez la femme de Sékou Touré pour faire quelle campagne encore? Mais ce que les Guinéens n'ont pas compris, Idi Amin et Mamadi Doumbouya, ils sont rentrés en campagne. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Marema dit dans tout halanka. Idi Amin et Mamadi Doumbouya, à l'heure là, ils sont rentrés en campagne. Que Dieu nous donne une longue vie. Vous allez comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Idi Amin en train de faire campagne avec Bala Samoura. Mamadi Doumbouya en train de faire campagne avec Amara. Ça va chauffer. Le 31 décembre, Mamadi Doumbouya ne sera plus le président de la transition en République de Guinée, si Dieu nous donne une longue vie. Vous allez voir. Maintenant, vous avez fermé les médias. Il faut venir s'attaquer aux blogueurs et aux communicants. Ouais, on va chercher des solutions d'extradition. Vous allez chercher quelle solution d'extradition, bande de nullards que vous êtes. Vous n'êtes pas légitime, vous allez extrader qui même? Vous connaissez même la définition du mot président même. Un président est choisi par son peuple. La souveraineté nationale appartient au peuple, à son article 1 même dans la République française. Même. L'article 1, même en Italie ici, l'article 1 de la Constitution italienne dit clairement « La souveraineté nationale appartient au peuple. La souveraineté nationale appartient au peuple. » Qui a élu ces criminels-là au pouvoir là-bas? Vous allez venir nous raconter de la salade. Bande de voyous, de délinquants, c'est-à-dire des analphabètes comme ça là. Comment vous pouvez mentir comme ça en plein 21? Vous n'avez aucune dignité même. Vous voulez organiser le système de manicatiser encore le pouvoir là, en plein 21e siècle. Atikel Alkoff est ici.
Adika Benyana. Allons-y seulement. Mamadi Doumbouya est fort. Je t'ai dit, Jordan, c'est le temps et le moment qui est fort pour un être humain. C'est Dieu seulement qui est fort. Voici ça. Voici ça, c'est à Conakry. Hein? Voici les routes de Conakry. Là. Regardez. Monsieur 2000 km, Baouri. Guigué Baouri. Regardez. Ça, c'est à Conakry. Hein? Regardez les routes. C'est ça la fondation de l'État. Non? Voilà ça. C'est ça, la justice sera la boussole. Regardez, 3 ans de Mamadi Doumbouya, on vient vendre du rêve au Guinée, il est en train de travailler, les routes sont comme ça. Regardez, regardez, peuple de Mali, Burkina, Niger, regardez la Guinée, Sénégalais, Ivoiriens là, regardez la Guinée, en plein 21e siècle. Même Alpha Condé n'avait pas laissé ça. Regardez, regardez l'état des routes. Ça, c'est à Conakry, dans la capitale. Les voyous comme ça viennent nous vendre du rêve. Monsieur 2000 km de Baouri. Monsieur 2000 km de Baouri, il est où? Hein? Monsieur 2 km de Baouri. Regardez Baouri même à voyager, non? Regardez, vous allez voir ça. Ça c'est... Non. Regardez Baouri qui a voyagé, regardez. Baouri. Baouri qui disait il y a 2000 km de route que Mamadi Doumbouya a réalisé en République de Guinée. Ça c'est. Ça dit, mensonge là quand même. C'est fini dans leur bouche là. Regardez, c'est Baouri, hein. C'est Baouri qui est ici, hein. Regardez, 2000 km. Baouri, regardez Baouri, regardez Baouri. Regardez. Regardez Baouri. Regardez. Dare do, là, vidi, dare. Baouri. Monsieur 2000 km, regardez. C'est Baouri, hein? Premier ministre. Là. Baouri, où sont les 2000 km là? Les gens ne connaissaient même pas d'abord que si c'est Baouri qui était dans la voiture là, ils sont dépassés même. Ah, là, il a membre, c'est le premier ministre, oui. Là, attendez, on a eu autour, oui. Où le fallait après premier ministre. C'est Baouri qui est là. Et Baouri, où sont les 2000 km là? Poro. Les gens qui n'ont aucune dignité humaine. Regardez, c'est Baouri, regardez, 2000 km. Regardez Baouri, regardez. Baouri. Baouri, regardez, c'est Baouri, regardez. Là, c'est bébé, premier ministre. Des vauriens comme ça là, vous êtes ridicule. À ton état là-bas où tu n'as aucune dignité même à ton âge. Hein? Yado fendo do hano bati Allah. Birdi nogol feno gol tu moko bawano wo bawori. Jodo fenana yeso gine fak. Hino do no 2000 km. N'importe quoi, 2000 km. Hein? 2000 km, ah, donc, un joke au discours, mais après, on a un détail maintenant. Complot, quasi le king, on est utilisé comme. Le monde entier nous confirme. Écoutez, hein? Donc, c'est pour cette raison, hein? Mesdames et messieurs, nous avons le devoir de soutenir cet homme-là. Mais qui est cet homme? Lorsqu'on examine l'évolution du monde, on constate une vérité qu'on ne peut pas démentir, à savoir que la science militaire
elle est celle qui a précédé, instruit et motivé la sociologie politique, la science politique, arme de combat des partis pour la conquête du pouvoir. Quand on constate, quand on suit l'évolution de notre président à travers les différentes étapes de son parcours militaire, le citoyen guinéen ne peut que se réjouir et être fier de lui. Comment c'est cet homme-là qu'on l'a vu en France, à l'école de guerre en France, à Paris 7e, on l'a vu à l'école d'infanterie des blindés à Saumur en France. On l'a vu dans nos formations militaires au Sénégal, au Gabon, en Israël. On l'a vu dans des opérations et missions militaires à Djibouti, à Chypre, à Côte d'Ivoire. On l'a vu à Mali dans des exercices militaires avec l'armée américaine. On l'a vu en Afghanistan. On l'a vu au Royaume-Uni. Donc cet homme-là, c'est une chance pour la Guinée de l'avoir à la tête de l'État. Est-ce qu'on en est donc? Kono e mabe no wae diu golbape. Won avi Mamadi Doumbé à Royaume-Uni. Donc Mamadi même, il avait effectué une formation aussi en Angleterre là-bas. Kobe ni kombe nani, Mamadi Doumbé a bâti Radama dans l'armée française au Dogo yar Angleterre aventure. Après on a été la Guinée. Kodoumbe mabe wane getu gol birdi no. Wo kon avi Mamadi Doumbé même en Angleterre, à Royaume-Uni. Mobe kon nwadi mobe ikori heri baba ikori heri yo Mamadi Doumbé encore on l'a vu à Royaume-Uni non kodumine yalla na do ngali janna na wallahi billahi ta'ala on l'a vu à Royaume-Uni wonogo be wallahi to ni Royaume-Uni ikone même pas c'est quoi Royaume-Uni. Écoutons la parole. On l'a vu dans des opérations et missions militaires à Djibouti, Royaume-Uni. On l'a vu à Mali, dans des exercices militaires avec l'armée américaine. Royaume-Uni. On l'a vu en Afghanistan. On l'a vu au Royaume-Uni. Royaume-Uni. Donc cet homme-là, c'est une chance pour la Guinée de l'avoir à la tête de l'État. Parce qu'il a eu toutes les aptitudes grâce à ses aptitudes physiques et mentales. Il a acquis un savoir-faire, il a acquis des connaissances et des expériences qui font qu'aujourd'hui, cet homme est le seul capable de sortir notre pays de cette pauvreté politique, de ce marasme économique, grâce avec toutes les richesses que nous avons. Parce que la Guinée est un scandale biologique, mais nous avons un problème de gouvernance, et c'est lui qui peut nous sortir de cette situation-là. C'est lui qui peut construire un état de droit. C'est lui qui peut nous sortir vers des lendemains meilleurs, vers des horizons nouveaux. Nous avons besoin de lui. Et si vous comprenez bien, et s'il est vrai que la science militaire est celle qui a donné naissance à la sociologie politique, c'est une aberration de croire que le militaire ne connaît pas la politique. Bien au contraire, c'est lui qui a nourri la politique. Et aujourd'hui, je dis, si la coalition citoyenne de l'AB pour le développement a jugé nécessaire de doter ce propos du président Mamadi Doumbouya, c'est parce que nous avons compris très vite qu'il y a des canailles, qu'il y a des mystificateurs qui usent tous les stratagèmes pour créer et entretenir un climat de méfiance entre l'État républicain et la population de l'Abbé. Mais aujourd'hui, les masques sont tombés. Les masques sont tombés, l'Abbé a compris. Si l'Abbé a été trompé une partie du temps, on ne pourra plus jamais tromper l'Abbé. Et en tant que partie intégrante de l'État guinéen, de la nation guinéenne, l'Abbé n'entend pas, l'Abbé ne veut pas et l'Abbé ne voudra jamais se soustraire de l'autorité de l'État. L'Abbé entend vivre sous l'autorité de l'État, l'Abbé entend progresser, entend se développer avec le concours de l'État.
n'est pas en dehors de l'État. Et je dis aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir devant moi deux sœurs. Il s'agit de colonel Aminaton. Allah! Et il y a ma sœur Kani Soumano. Et je dis bien en tant que notable de l'abbé, parce que personne n'est plus noble que moi. Je dis que mes deux sœurs n'ont aucun intérêt à ce que des canailles entretiennent un climat de méfiance entre le pouvoir central et nous. Elles n'ont aucun intérêt. Donc je leur demande de bien vouloir dire à Monsieur le Président, aux membres du CNDD et du gouvernement, que l'abbé n'est pas une ville intétable, que l'abbé n'est pas une ville ingouvernable, que l'abbé n'est pas un sac à problème pour les pouvoirs publics. Donc il faut qu'on le sache, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Nous avons un leader, nous avons un guide. Et lorsqu'on suit le périple de notre président, on ne peut qu'être fier et prier bien devant Dieu de le guider et de le protéger. Allah Akbar. Vive l'unité nationale, vive la paix, vive le bon vivre ensemble. Et je voudrais terminer par remercier très sincèrement, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat aussi a fait ses preuves et son épouse. Très sincèrement, parce que nous savons, et vous le savez aussi, qu'il y a eu beaucoup de velléités de sabotage. Mais si le gouverneur de l'abbé ne s'était pas levé, si les deux-là ne s'étaient pas levés, les canailles auraient eu raison. Mais aujourd'hui, merci. Je leur demande de persévérer dans cet état et dites vraiment au président que l'abbé l'accompagne, que l'abbé le soutient. Mais je dis encore et je tiens, j'insiste pour dire que ma sœur Kani Soumano, pour dire que ma sœur le colonel Aminata Diallo, elle doit se lever. Elle doit se lever. Parce qu'il y a des canailles à Conakry. Les mauvaises nouvelles, les étiquettes qu'on colle à l'abbé et que l'abbé n'a pas, ça ne provient pas de l'abbé, mais ça provient de Conakry. Nous le savons. Les masques nous sont tombés, nous le savons. Je voudrais terminer en remerciant Monsieur le gouverneur pour avoir bien organisé cette rencontre familiale. Cette rencontre, c'est une belle fête. Et tout le monde sait que l'abbé est une ville accueillante à l'hospitalité légendaire. Donc ici, le gouverneur a cherché à préserver l'honneur et la crédibilité de l'abbé. Nous l'encourageons, nous sommes avec lui. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ɗum no hersinani leñol pour l'arbol woorirani pa 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 les mots me manquent pour l'ono yurumi leñol pour l'ono yurumi yaka ko ni yurumi ne wata commentaire de je ne fais même pas de commentaire, je n'ai pas besoin nando dum bo haray Sandari in hore maina ka pullo ko ya tutu taw ka bernema. Oh, l'abbé l'accompagne. Donc le vieux, il est devenu maintenant, c'est-à-dire le porte-parole de tout l'abbé. Et quand nous remarquons dans nos vidéos, comment nous avons nos birdi na de kom, quand nous remarquons dans nos vidéos, himbe tato tout on est tapa me jure. Wombe tapude de njude ben kadi so nani hala mabbe kambe fo ko manikabe be fo ko kapeje na himbe labe de ndare video très bien wombe tapude julle de be wola to ena namu ko aksam manika ko manikabe himbe tato tun haron o wolon o discours fo labe le soutien ko himbe tato tapanton jude hakune mo Allah ko hore ko juloton ko c'est une honte, c'est une abomination. C'est une abomination de la part de Fouta Diallo. C'est une honte terrible. Donc,
Comme vous avez dit que Mamadi Doumbouya était un homme de la paix, Mamadi Doumbouya était comme ça, et comme ça, comme ça. Nous, ici là sur les réseaux sociaux, on remercie le bon Dieu. On a tant signalé que Mamadi Doumbouya était un criminel, était un assassin. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On a des preuves maintenant où un préfet qui sort, qui confirme que Mamadi Doumbouya est un assassin. Ah, le pays là, c'est un beau pays. Hein? On a des preuves ici maintenant là. Quelqu'un qui est nommé par le CNRD qui vient nous confirmer que ce gouvernement là est un gouvernement des assassins. Et c'est des criminels qui sont au pouvoir. C'est le préfet de Cancan qui a dit devant tout le monde. Nous, tout ce qu'on va faire là, c'est seulement le remercier. Et cette vidéo-là, on va la garder, même si après 5 ans, 10 ans, il va venir nous dire qui a assassiné le monsieur là, Cancan. Qui il a été assassiné par qui? Parce qu'il a dit devant tout le monde, hein, c'est lui qui va brûler, qui va gâter la photo de Mamadi Doumbouya. Il sera assassiné comme l'autre là. Donc, c'est une préméditation. Et c'est qui encore? C'est un policier qui a été nommé par Idi Amin aussi. Mais ce qui se passe en Guinée, c'est que Mamadi Doumbouya n'a pas compris. Mamadi Doumbouya et Idi Amin là, chacun place ses espions partout dans les camps militaires, partout il y a les gardes-corps, chacun a des infiltrés. Si c'est côté de Mamadi Doumbouya avec Amara, Idi Amin a ses propres gens là-bas qui sont infiltrés, qui donnent des informations à Idi Amin. Si c'est côté aussi d'Idi Amin là-bas, Mamadi Doumbouya et Amara aussi, ils ont l'air enfants là-bas, infiltrés dans le groupe des Idi Amin là-bas, qui prend des informations là-bas, qui donne directement à Mamadi Doumbouya. Le film là est bon, hein? Le film est doux là. Nous, on remercie infiniment le préfet de Cancan, qui nous a prouvé devant la communauté internationale que Mamadi Doumbouya est un assassin. Maintenant, comme l'image là en train de marcher, c'est-à-dire qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils font? On dit qu'il est limogé, il a été démis de ses fonctions. Hey, qu'il soit démis de ses fonctions-là. Dans un pays normal, là, le préfet de Cancan là, devrait avoir d'abord une enquête préliminaire. Il doit nous dire qui lui a dit de parler comme ça au nom de Mamadi Doumbouya. Mais s'il se permet de venir parler comme ça, là, c'est parce qu'il sait que Mamadi Doumbouya est un assassin. Il sait que Mamadi Doumbouya a assassiné Sadiba Koulibaly avec la complicité de Ouya Sanda et les Amara et les autres là, et le Bara Samoura. Sadiba Koulibaly a été assassiné comme ça. Célestin aussi a été assassiné par qui? Qui a organisé l'assassinat de ce monsieur Célestin? C'est Bala Samoura aussi. C'est Bala Samoura. Voilà. Maintenant, on remercie beaucoup infiniment le préfet de Cancan là. Venir dénoncer ça devant le monde entier, que son mentor, que son président de Mamadi Doumbouya, le président des criminels là, est un assassin, est un criminel international. La vidéo là, on va la garder. Un jour, il y aura le jugement. Comme ils ont vu que maintenant que les gens de Cancan veulent se mobiliser pour organiser des manifestations le jeudi, après-demain, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'enlever pour calmer les gens de Cancan. Vous allez voir même la vidéo, quand il parlait là, les gens ne sont pas... Ça dit, son dari vidéo, on a volé con. Et puis il parle, il dit encore Allah Akbar. Un maudit comme ça là. Vous tuez les enfants des gens, vous tuez un monsieur seulement qui vient brûler la photo d'un criminel, d'un assassin, vous passez à l'acte de l'assassinat. Quand on commence à dire les malinqués ici, affaire de la Guinée là, c'est pas affaire de malinqués, ni de peul, ni de soussous. Mamadi Doumbouya est venu satisfaire la France. Mamadi Doumbouya est en mission pour la France, pour Emmanuel Macron. Mamadi Doumbouya n'a pas fait le coup d'état là pour dire que Alpha Condé a violé la constitution en son article 27 là. C'est faux. C'est faux, les Guinéens ne se parlaient plus. La justice sera la boussole. Merci beaucoup. Merci infiniment, monsieur le préfet. Mais l'histoire va vous arrêter. Regardez cette vidéo, hein, ça fait pitié même. Lui-même, il reconnaît que Mamadi Doumbouya est un criminel, est un assassin. C'est ce que j'aimais dans cette vidéo. Hein. En tant que préfet, le représentant du pouvoir central. Et il dit...
Il dit en tant que le représentant du pouvoir central. Écoutez la phrase. Hein. En tant que le représentant du pouvoir central. Peut-être qu'il ne parle pas français, il ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. C'est gravissime. Écoutons ensemble. Il y a un monument. Le grand monument qui est là. Monument. En tant que préfet, le représentant du pouvoir central. Madame Namoua Douda Olysse, Donc il dit le grand monument dont la photo de Mamadi Doumbouya est devenue la tour Eiffel. Je sais qu'il ne parle pas français, il ne comprend pas aussi. Donc la photo de Mamadi Doumbouya à Cancan est devenue du monument, est devenue la tour Eiffel. Et Champs-Élysées, je ne sais pas comment, Colosseo par exemple en Italie, c'est Colosseo, Piazza Venezia, etc., etc. Donc, la photo de Mamadi Doumbouya est devenue du monument dans Cancan. Celui qui va toucher cette photo prochainement, comment l'autre a été assassiné, sera assassiné de la même façon encore. C'est lui qui le dit, hein? C'est lui qui le dit. Merci beaucoup, merci infiniment. Et cette vidéo-là sera gardée dans l'histoire. Un jour, vous allez répondre, c'est-à-dire à l'assassinat de ce monsieur-là. Et sa famille va se constituer partie civile contre vous. Et vous allez dédommager toute sa famille. Bande de criminels, un état de voyous, un état de délinquants, des assassins, des criminotocrates, des voyoutocrates, des délinquants. 3, 9, 3, 4, 0, 9, 8. Ça fait pitié même. Comment un pays peut... C'est-à-dire, il reconnaît, le préfet de Cancan reconnaît que Mamadi Doumbouya est un assassin. C'est ce que j'ai aimé dans la vidéo là. Il lui-même, il reconnaît. Do keni nya menkan, anyi fanan kela wanyale. Moi-même, bana ka Mamadi Doumbouya, la monument photo men geni woko. Do wani nya menkan, anyi fanan kela wanyale. Andi la wa ou fanan fani nya menkan. Do Mamadi Doumbouya ka ou fan nya menkan, anyi fanan fala wanyale. Hé, maléa. Eh, nous sommes malheureux dans. Comment dit-on une vidéo maintenant? Le prophète de Cancan, Ayere Brana, ka dalaka, ka ira dunia bela, comme on m'a dit, d'un mot, fala, le dit. Ou le ka vidéo, dit-on, ka reconnu, ako, ko en tant que représentant du pouvoir central. Malonati tubabuka nata melale uakala ulama ko momen nani momen bana ukaka momi dumbu ya la photo te kafur kahalika la kreta ka la photo masebedron ka kibolo nota ka la ta momadi dumbu ya la photo kan ko monima momadi dumbu ya ayere malo mento monima o momadi dumbu ya ko momadi dumbu ya photo brake kan kan kono monima ne di malo na tara ikola ba na mata ikola maulondi. Mais comment même bon adaro, comme monument? Alors, quand même un monument, tu vas vous faire. Moi, je suis français, Albert tout référé, mais français. Tu vas vous faire comme monument. Donc, je me dis que je vais tout référé, le dit la Guinée, quand entre moi long. Mais, mashallah, alhamdulillah, rabbil alamin. Allez, le bon, il y a un fois d'Allah. Comme je me dis que je vais vous faire, le dit. Il m'a dit que je vais vous faire, le dit, quand calme, je vais vous faire. Gyan kele wuli kankan kono albra taka bo a place la mais mo di ndumbuya ila mo le kafo e ka mensi profeyala idiamen ka mo mensi profeyala kankan kono wole boni kafo dunia be ko mo madi ndumbuya mo fala le dide ko iba tolo mo madi ndumbuya la masako la ko ayi fala le doro de muso fana mbora le kankan ya kafo be nyana ko mo madi ndumbuya ko hala nale anala mamadi ndumbuya ko ko hali anale ka lo anyama. Anyefe, masako meno, kwa di se hali alnafala masako meno. Kwa pasi altafe, Mamadi Doumbouya tafe kama sayabla. Mashallah. Maintenant, mettez le cœur, on va rentrer dans l'histoire de Azi le King. Ah, yamfantea.
yan fanti ara riri ya gorine fo de kuyate ala donc mettez le cœur mera do mi wola non ko on famali on famali histoire agile le king manipulation agile king ko be woni utilise gol agile le king fendo do ko c'est très grave hino do ko be woni organise do ko agile king va rentrer en Guinée. Quand il va rentrer en Guinée, après 3 jours ou 1 semaine, ils vont le convoquer à la justice. Ils vont dire à Agile King de venir parler au nom de l'IFDG. Écoutez, c'est très important. Écoutez le complot qu'ils sont en train d'organiser, qu'ils veulent encore mettre en place. Agile King va rentrer en Guinée. D'abord, 3 jours, 1 semaine, ils ne vont pas le toucher. Deuxième semaine, là, ils vont le convoquer à la justice. Il va se présenter à la justice. Ils vont préparer d'abord des choses, des tests qu'ils vont écrire pour lui, pour commencer à accuser encore le président Selou Dalein, en mettant dehors, devant toutes les personnes, devant le monde entier, que quand il était à Dakar, qu'on avait même dit de chercher des gens qui vont, c'est-à-dire, organiser des armes qui vont rentrer pour destituer Mamadi Doumbouya au pouvoir. Agile King va sortir devant les micros, devant Ali Touré. Ils vont le convoquer au Yao Wala Wawai. Il y a un Sénégal IFDG. Il y a un Selou Dalein qui va organiser le complot. Il y a un Hirde Soribe. Benata Guinée benada arme magine la Guinée be ya be ita presidential dal e mama e Mamadi Doumbouya kalamu awa ko on complot be préparé ni Agile King senati la Guinée gente nan très bien télécharger ka dio vidéo comme ko woné wolandé on ko Agile King senati la Guinée yon téré si fe i deuxième sommet be noda moka justice si be nodi moka justice be ara be préparé ko wolato ko Ali Touré be préparé dossier Guinée pati joni er Guinée boni few joni ko do solution be hebiri fino be convoca presidential dalem benawo ko Agile King wono Senegal be arno be warani mo proposition business fiyo be dabbo sori be nato be rebel be nata o be lagine ya itta Mamadi Doumbouya wadana complot Mamadi Doumbouya accusa le président de l'IFDG na selu dalem tigri no tarta wono on complot gente ko woni wolande ko yalla ko ram balde cella ko dum be woni organise golni après non wobe yalto yadom be wado ya loi wo Selou Dalein accusé pour tentative de déstabilisation de l'état. Vous êtes des voyous, personne n'a voté pour vous, vous n'avez rien compris, vous n'avez rien compris. Si la constitution de ce criminel là, le raciste là, comment il s'appelle là, dans sa Kourouma, si vous a, ils ont retardé cette constitution jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas mis la main sur le président Selou Dalein. C'est tout. Sinon, cette constitution farfelue était déjà publiée depuis. Mais nous, on ne dit rien. On attend Mamadi Doumbouya qui a souligné 10 points. Il a remis les copies à la communauté internationale et à la CEDEAO. Qu'il vienne nous dire qu'il est candidat. C'est tout ce que nous attendons. Hein. Mais je m'adresse encore au président de l'IFDG, président Selou Dalein, la société civile, Monsieur Kounduno de FNDC là, et tous les autres partis politiques là. Si Mamadi Doumbouya n'organise pas les élections jusqu'à le mois de décembre, le 1er janvier là, il faut faire des communiqués. Ça fait longtemps que je dénonce ça sur mes deux pages ici là. Il faut faire les communiqués, dire que tous les Guinéens ne reconnaissent plus Mamadi Doumbouya comme un président de la transition. Il est devenu un président de la trahison pendant 3 ans. Donc, Mamadi Doumbouya, c'est là-bas maintenant qu'on va commencer les vrais problèmes. Mais je m'adresse spécialement au président Selou Dalein, qui écoute bien ma vidéo là. Halane président Selou Dalein, il est immo be sousa. Mamadi Doumbouya n'a pas de légitime kalam. Nebi l'an Hollande d'un président Selou Dalein au plan d'eau. Ça fait des années, Gila Otang Alpha Condé au troisième mandat. Organisé et on prête un serment qu'ambassade Guinée à Dakar.
organisons himbe ben ya e getta avion ki po hato. Mais en tant que présidentiel d'Alain, il y a un courage. Affronte-toi, n'ingou l'âme. Ça taille seda. Il y a un cas de yalta aide, mais ça taille seda. Présidentiel d'Alain, il y a tout courage. À partir du mois de janvier, il réclame victoire. Il y a un cas de Alpha Condé, il y a une élection présidentielle. Quand il y a Alpha Condé, il y a une élection présidentielle. Il y a un résultat qui m'a fait des hanjouni. Quand il y a un jogi de hanjouni. Donc président ala je selu dalen yo hebu courage yo be hebu courage be affronta joni be déclara ko kambe gayno élection 2020 joni mamadi dumbuya wadi coup d'état wari o fenani guinéen fop joni hande a partir de hande présidentiel dalen yo réclame victoire mo fodo de non joni démarche din ko wadata o yo wado joni enen kadi imo den joni utire non bawo présidentiel dalen accomplir sa mission ko lutto non ko min ko dum mi mari ko ko wala birdi birdo lanni trop c'est fini, la récréation est terminée pour le CNRD le 31 décembre carton rouge prrr, pour Mamadi Doumbouya là c'est fini, c'est l'on a qu'à réclamer sa victoire. Maintenant le vrai combat vont commencer maintenant partout dans le monde entier, foutre dans le vrai combat maintenant contre les criminels là, les criminels ethno, le criminel ethno qui veut manigatiser encore le pouvoir là. Campagne là qu'ils sont en train de faire là entre Mamadi Doumbouya et Diame là. Nous on va pas s'occuper de ça. Mais je vais seulement dire à Mamadi Doumbouya, Diame n'est plus intelligent que toi. Le décret que tu es en train de préparer là pour faire sortir là, le nouveau gouvernement que tu veux mettre en place là, tu vas amener Diame à la retraite. Diame est déjà au courant. Idi Amin est déjà au courant. Wo Mamadi Doumbouya no fala mo nabugol wadugol décret na bamuka retraite. Film on war de welgol ta henyo. Ko hakkunde mabbe be sofindirta ha ndakasi mabbe o yana. Ko don no be nata joni selu dana yo arfi Allah o tan nabi yo be jodo be wola. Fondo doni Mamadi Doumbouya e Amara Wondi. Be braku de contre Idi Amin. Idi Amin no mari Bala Samura e club mako ko filmen du won denni a la dernière minute oyi Idi Amin no wadde campagne Mamadi Doumbouya no wadde campagne mais Mamadi Doumbouya famali motivation ko Idi Amin imi kon yetti bengu secteure nabi mo ha farana wadugol campagne joni lamugo nebi dubi tati ka jude ko dum be wari Sadi Bakuli Bali lamugo nebi ka jude kanka Idi Amin kari joni ko lamugo yo artu kadi der farana akodo non cinema won si Idi Amin ci kude so dangi Mamadi Doumbouya witti mo coup d'état l'armée be a imota ko waramo akodo min ko don non film endu on yuti ka fe mare mandi to don moja ko ngone wolande on ko le jouer c'est comme ça. Idi Amin no joue de rôle mako mo utiliser de manika be be farana fe ondo do mo wadde campagne Mamadi Doumbouya kadi no wadde campagne be halani mo Mamadi Doumbouya narde Ousmane Gawal baourien préparez-vous au gouvernement ko be woné adure do o baydi ari bo premier ministre o ils vont faire sortir Kassori Fofana Mamadi Doumbouya pour faire la paix, il va nommer Kassori Fofana pour un mois premier ministre là, vous allez voir o Kiridi Bangoura o Malick Sanko vansi entre les quatre là que Mamadi Doumbouya veut choisir haribe nino mo wadu debbo pour le cas du premier ministre remplace Baouri be ayni no Baouri wadama premier ministre Baouri gainali na putere fous o Baouri wadali président premier ministre de 2000 km ara ino wolu golonto no ino ka chercher une solution pour les blogueurs. Vous ne pouvez pas chercher une solution pour les blogueurs ni les communicants, c'est trop tard, la vérité est là. Voici les routes aujourd'hui, l'état des routes en Guinée, c'est pas dans Mandeng, c'est pas dans Fouta Yalon, rien, même à Conakry il y a pas de routes. Des criminels comme ça, vous allez continuer à mentir au Guinée jusqu'à quand? Vous n'avez pas honte de mentir? Tout ce qu'Alpha Condé disait là, c'était vrai alors. En Guinée, si tu sais mentir là, tu peux progresser. Tu peux t'en sortir. Si tu as les diplômes de mensonge en Guinée, si tu as les diplômes de mentir en Guinée là, tu peux devenir un grand cadre. Des farfelus comme ça à la tête d'un pays. Des criminels. Para, il y a guitare ma tombe. Maintenant, mi mala ko wala na azile king yo yo mi wala ni ondo plan ko be dumani ko yo natu lagine
après yontere be okipo e mabbe joni be jonno mbudi seda o yigiti ko woni arde ko be konvoka manon joni be windi test de loi yo aro akiza selu dalen kadi o nawo ko wonno Dakar wo selu dalen no farno wadde yo nadu gol rever be lagine he si selu dalen faire entrer des rebelles pour renverser Mamadi Doumbouya, c'est légitime. Mamadi Doumbouya nous a montré en Guinée qu'un coup d'État est légitime. Si c'est le fait ça là, Kassouri fait, ou une autre personne, ou Alpha Condé, ou etc., etc. là, on forme des gens pour aller déloger les criminels là au pouvoir. Ça, c'est légitime. Mamadi Doumbouya nous a montré qu'un coup d'État peut être légitime. Tu fais le coup d'État, tu vas, tu te représentes aux Nations Unies encore, tu dis, la démocratie n'a pas de valeur en Afrique. Voici un criminel aujourd'hui. S'il y avait pas de, la démocratie n'avait pas de valeur c'est-à-dire dans le monde entier aujourd'hui là. Est-ce que toi, Mamadi Doumbouya, tu pouvais te marier avec ta femme blanche là? Tu pouvais te marier avec Fantagbe? Si la démocratie n'avait pas sa place dans le monde entier, est-ce que toi, Mamadi Doumbouya, c'est pas à travers cette démocratie là que tu te maries avec Fantagbe, qui a eu des enfants, qui a eu le passeport français? Si la démocratie était telle comme ça, comme tu bavardais là, aux Nations Unies là-bas, là, pourquoi tu as eu peur de ne pas te présenter cette fois-ci? On t'invite en France, tu as peur de venir. Pourquoi? Tu sais que tu es titulaire d'un passeport européen, français. Les plaintes sont là. Les femmes de Fonikye Mangue et les autres là, la société civile, ils t'ont porté plainte en France. Ta femme t'a dit de ne pas venir. Tu franchis seulement sur le sol français là, on va appliquer la loi contre toi parce que tu as un passeport français. Tu n'es pas guinéen, Mamadi Doumbouya. Tu n'es pas guinéen. Hein? Tu dis que tu es fort, tu as peur de partir aux Nations Unies. Cette fois-ci là, tu as peur, l'arrogant. En France, on t'a invité, francophonie là. Tu as eu peur aussi de ne pas venir. Des farfelus comme ça là. Vous n'avez rien compris. Le 31 décembre, les Guinéens ne vont plus te reconnaître comme un président de la transition. Qui a été une honte pour la Guinée, qui a été une abomination pour les Guinéens, c'est-à-dire c'est de jamais vu. L'arrogance, l'animosité, criminel, délinquant, psychopathe, criminel, assassin, sanguinaire, pathologique. Comment tu peux tuer quelqu'un et puis le préfet là, il sort, il te qualifie que tu es diplômé en assassinat, Mamadi Doumbouya. Ce que le prophète a dit, il a dit devant le monde entier, ton travail, Mamadi Doumbouya, tu n'es qu'un voyou, un assassin, un criminel. Le prophète de Kanka nous a témoigné ça. C'est-à-dire, le CNRD, vous êtes des criminels qui ont braqué un pays. C'est lui qui l'a dit, hein. Do faninya menka, andi fanan faouya. Mamadi Doumbouya est devenu des monuments. En Guinée, on ne savait même pas. On ne savait même pas que Mamadi Doumbouya est devenu de monument, sa photo. On ne savait pas, hein, que la photo de Mamadi Doumbouya est égale à la tour Eiffel à Paris. On ne savait pas. Non, merci beaucoup, monsieur le préfet. Tu nous as dit, on va garder cette vidéo. Un jour, on va enquêter sur toi. On va ouvrir des enquêtes contre l'assassinat de ce monsieur. Et toi, tu es le témoin. Parce que si tu te permets de dire que n'importe quelle personne qui va se permettre prochainement d'écrire, même seulement sur la photo de Mamadi Doumbouya là, comment l'autre là a été assassiné à Malinké, c'est comme ça que tu disais. Et la personne là aussi sera assassinée de la même façon. Hein? Et puis dit encore Allah Akbar. Comme la honte est en train de tourner sur les réseaux sociaux, qu'il est limogé. Limogé de quoi? Vous devrez l'arrêter. Vous devrez ouvrir une enquête préliminaire contre lui. Pourquoi il s'est permis de dire ça? Qui lui a dit de sortir à Cancan comme ça, parler comme ça, le jour de la fête de l'indépendance? C'est pour cela que j'ai dit, la fête de l'indépendance en Guinée, là, moi je ne suis plus dedans. En tant que ce bandit-là au pouvoir, là, la fête de l'indépendance, c'est la fête de Mamadi Doumbouya. Vous avez vu? L'armée républicaine, aujourd'hui, ils se sont mis avec Mamadi Doumbouya, ils ont trahi Alpha Condé. Mamadi Doumbouya les a tellement pris comme des enfants, il a mis à faire d'ethnie là-devant. Parce que Mamadi Doumbouya sait que vous êtes des ethnos. Il a joué avec les Namori, les Partakus, les Commando Farai, il a joué avec leur intelligence. Ils ont mis à faire d'ethnie là-devant. Alpha Condé veut remettre le pouvoir à Selou, au Peul. Voilà comment Mamadi Doumbouya est rentré.
Il a joué avec votre intelligence, il a récupéré le pouvoir. Voilà. C'est comme le cas de général Toto. Toto qui devrait remplacer capitaine Moussa Dadis Camara. Mais comme ils avaient bien organisé la mafia là, Nicolas Sarkozy avec Alpha Condé là, pour remettre avec Blaise Compaoré, pour donner le pouvoir à l'autre Alpha Condé, ils ont bien organisé. C'est la même façon. Accord de Ouaga là. Éliminer Toto parce que Toto ne pouvait pas être à la tête d'organiser les élections. Et Alpha Condé va se déclarer vainqueur des élections. Non, jamais de la vie. Ils ont analysé, il faut utiliser un malinqué qui va organiser les élections et qui va donner le pouvoir à Alpha. Donc, Kodoumé Wono, Wolandé, donc complot que vous organisez de l'Okon. Koyagol, Oya, la Guinée, Benagion, Bevindi, Kaidi, qui déjà avait préparé, soit Ari Koya, accusé au cas de IFDG. Et la IFDG a organisé des coups d'État contre Mamadi Doumbouya. Donc, ta houle bien. C'est le dernier organisé coup d'État contre Mamadi Doumbouya, Hande, Django, Fati Django. C'est légitime. Mamadi Doumbouya n'a pas de vote. On peut faire la même chose encore pour les déloger. C'est légitime maintenant. Le coup d'État est légitime en Guinée. Tu fais un coup d'État, tu t'imposes. Ouais, c'est ça. Tu prends les armes, tu rentres en Guinée, tu fais un coup d'État, tu deviens légitime. Le coup d'État est légitime dans la charte de Mamadi Doumbouya. C'est ça. Tu écris, tu inventes une charte que toi-même tu ne respectes même pas. Tu jures sur le Coran, tu ne respectes pas. Tu utilises l'article 45 devant la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire devant la Cour suprême, tu ne respectes pas. Devant les magistrats, tu ne respectes pas. Moi, Mamadi Doumbouya, birdi, si j'ai fait ça là, et quand Naka m'a chassé, si j'ai fait ça là, c'est le dalle Naka revenir en Guinée. Un nulard comme ça, un hypocrite mental. Un assassin, délinquant, tomania. Para. Vous êtes ridicule dans la vie. Capitaine Baouri, Gigé Baouri. Comme ce que disait Akumbala, Gigé Baouri. L'ayant pour l'on, Yurmi. Yurmi. Alors, quand on me fait l'organisme golf, on a dit la Guinée, mais on a mon bout de première semaine. Et à Damokata, au Karadio, Yodo, Wola. On a ce que le président a fait pour moi. Vraiment, je suis content avec ma famille. Hé, tu vas lire l'heure. Doumbouya n'a pas laissé Sariba, Doumbouya n'a pas laissé Célestin, Doumbouya n'a pas laissé Fonike Mangé, Ibiloba. C'est toi qui va rentrer, ils vont encore te manipuler contre IFDG là. Prends l'argent là, c'est pas tout l'argent qu'on mange dans la vie. Kouburindé n'a rien à dire, Afindima est Bogoïnana. Afindima est Kassia, Afindima est Kassia Yenana. Kouburindé n'a rien à dire. Afindima ebe kasia yena naba umane. Tu ne connais pas le CNRD. Asie, tu ne connais pas CNRD, c'est quoi? CNRD. Mamadi Doumbouya n'a pas laissé quelqu'un qui a seulement déchiré sa photo. Il a été assassiné en prison. Toi qui es sorti ici, tu as insulté la maman de Mamadi Doumbouya. Tu as insulté Amara. Tu as accusé Kassori. Tu as diffamé Kassori. Que Amara couche avec la fille de Kassori. Il y a les vidéos là, plein de vidéos comme ça, tu t'attaquais à la vie privée de CNRD. 1 million de vies, 2 millions de vies. Tu penses que Mamadi Doumbouya, les gens là vont te laisser. Bonne chance à toi, rentre en Guinée. Moi je ne te conseille pas. Nsengimara, Ndemara, Itanara. So, Namene, Asoube Tamuta Oumagalmara, mais Ibi Asita. Na teumane net soubebar ta ogal mara gal mamadu. Na tamene de depinde me di leri la Guinée. Amiri mou soubeta ouma gal mara. Mais ibi asitan. Soubeta ouma ne gal mara kalum kui. So. La wakuba. Donc, Guinée, mekiti ondo. Fendo do ni kadiko bewone watekon. Ibe fa la kitugol kasurien, damaro, beafo Damaro, l'ancien président de l'Assemblée, Damaro et l'autre là, Diané, Kassori Fofana, beaucoup d'autres personnes seront. Et Mamadi Doumbouya avait les libérer avant le 20 ou le 25. Ils m'ont préparé des cas de gouvernement. Quand on nomine Ousmane Gawa, les Baouri, Capitaine Baouri, préparez des Capitaine Baouri, CNRD, Gigé Baouri, monsieur 2000 km de route là, préparez-vous. Votre travail là. Mamadi Doumbouya, vous n'avez pas satisfait Mamadi Doumbouya là. Mamadi Doumbouya s'en fout de quelqu'un. Maintenant, il est en train de chercher un sou
nommé ce sous-premier ministre, Baïdi Haribo est dedans, Kiridi Bangura, Maliki et Kassiri Fofana. C'est les quatre-là qu'il veut prendre, nommé comme premier ministre. Mais vous allez voir, Amoura Ba Mayrambi Mamadi Doumbouya. Donc, partagez vos vidéos dans les groupes, il faut, Hara et Django. Là, il faut, on me voit dire non. Django et Hara, Wolo, on me voit, voit une vidéo, je peux, qu'on fie, on nous, ben, on y se l'a donné. Qu'on fie, on nous, et ben, on y l'aignol pour l'eau. Django, c'est les deux balles. C'est l'eau d'aller. Mais on a tout qu'on nous, c'est l'eau d'aller. Ben, mon ami, c'est l'eau d'aller. Je sais pas. Bati, ben, de l'aignol pour l'eau, qu'on golo. Les peuples sont des travailleurs. C'est le peuple que tu vas à Madina, il est en train de cirer les peurs de ceux-ci. Tu ne verras jamais un soussou faire ça là. Ni un malinqué, ni un forestier à Madina. Hein? Docker, les dockers là, wali wali là, c'est les peuples. Le peuple sait travailler. C'est ça quand je vois des soussous là qui disent que Mamadi, vous n'avez rien compris. Mamadi Doumbia, lui, il préfère les peuples que les soussous. Il sait que les peuples, c'est des travailleurs, c'est des bosseurs. Mais vous n'avez rien compris. Il t'en a nabé. Et Zende, Emma, ça dit, c'est une honte. La Guinée là, c'est un pays qu'on doit refaire à zéro. Donc, portez-vous bien, partagez cette vidéo dans tous les groupes, le petit live là dans tous les groupes. On se reprend, ça va se savoir encore. Commencez à organiser votre complot là. Si l'Odalin voulait faire un coup d'État, si c'est l'Odalin fait un coup d'État, Mamadi Doumbia, c'est pas un coup d'État, il a fait Alpha Condé. Où est le problème? C'est lui qui va faire un coup d'état contre Mamadi Doumbia. Ça sera légitime, non? Lui aussi va inventer ses propres chartes. Il va venir imposer. Donc, portez-vous bien. Ne commentez même pas ça là. Continuez votre complotisme là contre Selou Dalé. Ça ne va pas marcher. Vous vous fatiguez. Depuis la Air Guinée, là, les dossiers là sont classés sans suite. Il y en a plein, vidéo montage, beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait contre Selou? Mais Dieu est là, Dieu le protège. Donc, portez-vous bien. Et moi, je vais aller dans le monde. Je vais aller dans le monde. Hamidou Bari encore l'anhiro mander pas Paris et docteur Ismaël Ba l'anhiro Mamad Amérique encore l'anhiro matel New York to et Benguma Mariam Ba soirée encore l'anhiro aux États-Unis Kaperende Ngambi mi gitali made donc Karamba l'artiste international de l'IFDJ encore l'anhiro donc on partage au vidéo quand les groupes il faut haraido Ndiango Alpha Benissi c'est Maroc mi gitali mana awadi ker gidi hande haywi. Donc, partagez vos vidéos quand il vous faut. Hara en Django, bonne nuit. Et c'est ça. Kaperende, Awadal, Gouyande, Kergi, Dimiali. Kouwe, Awaye. Kaperende, Ngambi, Kouwe, Kouwe, Wadde, Kergi, Dingyuna, Allah, Wadde, Fefe, Onatie, Birdi, Birdi. Awa. Kodum, bonne chance. Tertebe, Wada, Komplo, Kobenada, Tamoy, Yao, Inna, Zeloudalen. Si Zeloudalen, Wadde, Koude, Tabondo. Kofus. Donc, partagez vos vidéos quand il vous faut. Hara en Django, bonne nuit. Oh, dans Yuron, Fok. Thank you.